Aminata Touré a le profil le plus apte pour être premier ministre. C'est du moins la vision du journaliste Pape Samba Kane. Alors, invité de l'émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche, il pense qu'Aminata Touré devrait logiquement devenir le prochain premier ministre d'abord parce qu'elle est la tête de liste de la coalition au pouvoir, mais parce qu'elle a gagné, même si c'est de manière étriquée. Il y a des logiques, même si elle a gagné de façon étriquée, mais les logiques se sont jamais respectées dans ce pays. En fait, dans d'autres pays qui fonctionnent normalement, comme la France, la référence éternelle, tu es tête de liste d'une coalition ou d'un parti, tu gagnes les élections, normalement, c'est toi qui dirige le gouvernement. Avance-t-il. Aminata Touré pourrait l'être, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde la destine au perchoir de l'Assemblée nationale. Je me demande si Mimi, sauf si elle se projette loin devant dans la succession, pourquoi elle préférerait le perchoir plutôt que l'exécutif, souligne Pape Samba Kane, lequel rappelle tout de même que ce sera à Macky Sall de décider.